Et oh ayo, c'est Kato. Et aujourd'hui, je suis retour sur Blood and School pour continuer, on va dire, ce que j'avais pas fait. C'est-à-dire après le machin là, sur l'île d'entraînement où tous mes maîtres et on va dire les gens qui sont été avec moi, ils ont été tous tués par l'infâme fille qui est dans le cadran en haut à gauche. Donc voilà. Donc normalement c'est parti, donc voilà, hop, on va essayer d'entrer sur le serveur, j'espère que ça va pas mettre 10 ans. Je suis arrivé sur le jeu, donc en gros c'est quoi ça, vous pouvez encore tourner deux fois. Ok, j'avance de 6 cases. Ouais. Alors, vous avez remporté option potion de chance, ouais. Et vous avez un talisman de retrait du saut. Ok, d'accord. En gros, je peux tourner encore une fois. Ok, vous devez attendre une heure pour tourner. Ok, d'accord. C'est fantastique. Ok. Bon, apparemment il faut que j'aille là-dedans. Donc là, c'est juste faire les premières quêtes. Je pense pas que je ferais toutes les quêtes, je ferais pas un suivi. Ça va? Je n'ose imaginer ce que vous avez traversé. Je suis Nam Soyou. Je vais prévenir mon père que vous avez repris connaissance. Ok. Il vous a jamais parlé du capitaine Do-chun? Vraiment? Il vient du clan de Hong Moon, comme vous. Il a quitté les terres célestes il y a longtemps. Mais c'est une légende ici. Il est capitaine de la milice du bambou, qui lutte contre les ponts noirs. Mon père se bat sans arrêt. J'ai peur qu'un jour, il ne revienne pas. Les ponts noirs est déjà sur la plage. Je suis si inquiète. Si seulement nous avions plus de soldats, c'est peut-être la fin. Vraiment? Merci, mais faites attention. Tout le monde est juste dehors. N'oubliez pas votre arme. Konsul Jun saura peut-être quoi faire. Il est juste dehors. Ok. Bon, c'est parti. Oh. Oula, ça paraît tout en même temps là. Quoi? Il te faut une attaque. Ok. What? Pourquoi j'ai ça sur... Je suis où dans la zone d'insurveillance? C'est où? Ah, là-bas. Voilà. Vous êtes l'élève de Hong Moon, comme le capitaine? Bien. Vous avez l'air solide pour quelqu'un qui a failli mourir. Merci. Si vous êtes à moitié aussi solide que le capitaine, vous serez utile. C'est le capitaine Do-chun qui vous a repêché. Courez donc le remercier. Impossible de le rater, c'est la machine à tuer qui nettoie la plage. Stylé. Oui, c'est lui. Je vois bien que vous voulez vous battre. C'est un très bon guerrier, mais de l'aide lui ferait du bien. J'aime votre attitude. Allez sur la côte et prêtez-lui main forte. Sun Jun et Yu Hun sont partis il y a peu, ils vous aideront. Le capitaine Do-chun est là. Allez l'aider. Ok, on se parti. What?
Putain, mais ça respawn tout le temps, quoi. Ok. Et que j'en fous du... Ok, je l'emmène là-bas, ok. Ok, ok, j'en ai là-bas. Il est mal en point. Il a eu de la chance que vous arriviez. Guakchil est un bon garçon. Il vous doit la vie. Une minute. C'est à vous que Dokchun a sauvé la vie? Incroyable que vous soyez sur pied. Je n'ai jamais vu de telles blessures. C'est si fascinant. C'est fascinant mes blessures, ok. Ok, d'accord! Dokchun a dit que c'était la marque de la rose noire. Il craignait que vous y restiez. C'est fou de vous voir debout. Vous devriez vous reposer, puis lui parler. L'éperon noir a battu en retraite pour l'instant et je m'occupe des blessés. Mais ils reviendront, comme les rats dès que vous quittez la table. Retournez au dispensaire où vous étiez. Je vous enverrai Dokchun et on organisera notre contre-attaque. Ok. Vite, amenez-le-moi. Wouhou, je suis un aigle. Ok. Voilà. Ok, faut venir là. Ah, voilà. Ravi de vous voir en forme. Vous avez perdu connaissance plusieurs jours, j'ai craint le pire. Mais les élèves du clan de Hong Moon sont forts, je devrais le savoir. J'ai aussi été l'élève de Maître Hong, il y a longtemps. Je m'appelle Dokchun et je dirige la milice du bambou. Il y a quelques nuits, j'ai vu une tempête de feu s'abattre sur les terres célestes. Je craignais le pire. Je suis parti pour les aider, mais je suis arrivé trop tard. Tout était détruit. Les corps flottaient dans la mer. Qu'est-il arrivé au clan de Hong Moon? Jin Soo-yoon? Maître Hong m'en a parlé une fois ou deux. Mais pourquoi agir avec tant de cruauté? Comment a-t-elle pu infiltrer le clan? Juste ciel. Lu Sung. Je ne l'ai vu qu'une fois, mais quelque chose me dérangeait chez lui. Une mauvaise impression. Est-ce que Maître Hong a survécu? Quelle triste nouvelle vous m'annoncez là. Mais le plus important reste la sécurité du village. Neutralisons les maraudeurs de l'éperon noir qui ont attaqué le village au bambou. J'obtiendrai peut-être des informations sur Jin Soo-yoon. D'ici là, pourriez-vous rester et aider à protéger le village? Tant mieux. Je sens en vous un grand potentiel. On nomme Jian les guerriers de votre stature. Partez et faites honneur à la voix de Hong Moon, Jian. Ok. D'accord. Bon, ben c'est parti, hein. Bonjour, content de te revoir. Merci pour ton aide tout à l'heure. J'ai été un peu bourru, je suis désolé. C'est quelqu'un de bien. Le capitaine te fait confiance, ça me suffit. Je serais honoré de me battre à tes côtés. Je ne peux pas en dire de même pour le petit maître, où qu'il soit. Désolé, je parlais de Dodan. C'est le fils du capitaine et un héros d'après lui. Un gamin sympa, mais aussi fiable qu'une épée en carbone. Ok. Chaque fois que l'éperon noir attaque, Dodan manque à l'appel. C'est peut-être une coïncidence, mais l'éperon noir sait toujours quand on est à court de munitions. J'aime bien ton côté calme et discret. Tu peux garder un secret. Je sais qu'il est le fils du capitaine, mais il agit bizarrement, non? Dodan ne serait pas un espion. Ne dis rien, mais je l'ai suivi tout à l'heure. Il avait quitté son poste et se dirigeait vers la côte. Lui et son pote se planquaient comme s'ils craignaient d'être repérés. Puis les navires de l'éperon noir sont arrivés et je suis allé prévenir tout le monde. Dodan n'était pas là. Je parie qu'il allait à leur campement. J'ignore où se cache l'éperon noir, mais ils sont sûrement tout près. Un des gardes-côtes doit avoir une carte sur lui. Va chercher Dodan? Merci. Et je ne t'ai absolument rien dit. Ok. Bon, c'est parti. Ah.
Wouetta! Toi, tu veux manger, toi? Hop là. Quoi? Tu veux quoi, toi? Ok, c'est par là-bas. Gaffe, j'ai perdu des HP. Défoncer ça là. What the fuck? Voilà. Ça ils sont éliminés. Enfin les renforts. Maintenant, donnons une bonne leçon à ces voyous. What? Un espion. Vous ne parlez pas de Maître Dodan, si? Vous devez faire erreur. Maître Dodan est le garde le plus noble, loyal et formidable du service. Oh, vraiment? Mais il est aussi un peu impulsif. Il a trouvé la carte de cette planque et a décidé de donner une bonne leçon à ces pirates. Et le voilà emprisonné. Ok. J'allais justement secourir le petit maître moi-même. C'est vrai, mais comme vous êtes là, je vous en prie. Faites attention, la cage de maître Dodan est cernée par des novices de l'éperon noir. Ne vous fiez pas à leur nom, ce sont des durs. Faites attention. Dodan, vous tombez à pic. Mais lol. Prévu. Je savais que Soul Jun enverrait quelqu'un me chercher. C'est un fan. Ah bon? Préparez-vous, parce qu'on va sortir d'ici. Absolument. Vous ferez partie de la prochaine étape de mon grand plan. Ok. Là-bas, vous apercevrez le vaisseau amiral de l'éperon noir. Ennuyeux, hein? Non, il paraît qu'il déborde de munitions et d'explosifs. Voilà mon plan. Un coup de canon droit dessus. Cette plage va s'illuminer tel un festival en notre honneur. Vous pouvez y aller. J'ai foi en vous. Pour m'avoir été d'un tel secours, je vous laisse l'honneur de tirer le canon. J'ai mis fin à la menace de l'éperon noir. Et vous avez la chance de participer à notre finale explosive. J'aime pas ce personnage.
Ok, bâton de retraite. Prenez ça, scélérat! Regardez-les fuir comme des lâches. Waouh, Guan était en colère. Où est-il parti d'ailleurs? Vous connaissez pas Guan? Ah oui, vous vivez sur une montagne ou je ne sais quoi. C'est le chef local de l'éperon noir. Un vrai dur. C'est une bonne chose que vous l'ayez blessé dans l'explosion. Il est plus fort qu'un Gnarlox. Il reviendra et il sera en colère. Il faut regrouper tout le monde et nous préparer pour la riposte. Rentrons par bon astral avant le retour de Guan. Utilisez M pour ouvrir la carte. Appuyez sur le marqueur et accrochez-vous. C'est pas évident pour les novices. Ok, il faut appuyer sur M. La carte. Coûte 0, ok. Noma! Ok. TPMAN est arrivé. Ouais. C'est un super bon ça. Donc voilà, alors je suis arrivé dans la ville. Ok. Je crains que vous n'ayez manqué Maître Dodan. Son père, le capitaine Dochun, a requis sa présence. Joignez-vous à eux. Ok. Je me souviens de mon premier bond astral. C'était tellement pénible que j'ai été malade pendant une semaine. J'en cauchemarde encore. Oula. C'est parce que votre bond astral était trop court. Vous auriez pu parcourir la distance à pied. Je devais revenir de la côte des Sentinelles, à des kilomètres d'ici. Et c'était cher aussi. Ce voyage de la côte des Sentinelles à mon lit de malade m'a coûté un demi-mois de salaire. Ah oui, plus c'est loin, plus ça coûte cher. Et en plus, il faut déjà avoir fait tout le chemin à pied au moins une fois avant de pouvoir ensuite y aller par bon astral. Ok. Vous finirez par y arriver. Vous devriez vous rendre chez le capitaine Dochun. Ne faites pas attendre les maîtres. Prenez le chemin à gauche. Il vous conduira chez le capitaine Dochun. Allons faire ça. Ce plan. Mais qui rentre comme ça en mode what, c'est moi qui rentre. Tout va bien? J'ai entendu dire que vous aviez affronté Guan, le capitaine de l'éperon noir. Excusez l'imprudence de mon fils, je vous suis redevable. J'ai lancé les éclaireurs de la milice à la recherche de Jin Soyun et ses sbires. Il sera difficile de la manquer. On la retrouvera à temps. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour vous de perdre votre maître et votre clan. Vous êtes ici chez vous. Dans l'affolement, je ne vous ai pas présenté ma famille. Vous avez déjà rencontré mon aventurier de fils, Dodan. J'ai aussi une fille adoptive, Nam Soyu, qui est avec nous depuis un certain temps. C'est elle qui a pris soin de vous au dispensaire. En fait, elle devrait arriver d'une minute à l'autre.
je te disais. Non, c'est feu. Oh. Alors, comment ça va? Regarde. Elle. Ah, vous revoilà. MDR. Je veux acquis une épée. Du réputé 835. J'avoue. Je crois que je vais équiper ça alors. Voilà. Eh, je peux mettre un truc. Ok, il faut un marteau certi par contre. Ok. Bon, j'ai déjà ça. Ah, c'est un peu mieux comme ça. Maintenant on va parler. Vous êtes en vie? C'est formidable. J'ai appris ce que vous et Dodan avez fait à Gwon. Quel courage. Wow. Vous êtes bien trop modeste. Tout le monde parle de vous. En fait, les villageois ont voulu vous offrir un cadeau pour vous remercier. Ah bon? Oh, ils sont gentils, les villageois. Ce n'est qu'une pièce de bagua. Ce n'est pas grand-chose, mais... veuillez accepter cet humble présent. Nani Soleil. Vous n'avez jamais utilisé de bagua? Tant mieux. J'avais peur que vous en ayez déjà un. Mm-hmm. Ils peuvent améliorer votre force, votre défense, votre vitesse. J'ignore leur fonctionnement, mais ils vous aident à vous entraîner et à gagner des batailles. Ok. Les bagua vont dans votre inventaire. Appuyez sur B pour ouvrir l'onglet bagua. Glissez le bagua et placez-le dans l'emplacement bagua équipé. Ou faites un clic droit. Facile. C'est tout. Voyons votre nouveau bagua. Ok. Donc il faut appuyer sur B. Donc ça, hop. Équipé. Ok. Du réveil. On aurait dû en préparer deux autres, mais on nous a volé tellement de choses. Désolé de ne pas avoir pu trouver de bagua du même nom. Ok, c'est pas grave. On trouverait. Les bagua marchent mieux par groupe de 3, 5 ou 8. Ils sont plus efficaces quand ils font partie d'un même ensemble. Ok, d'accord. Les bagua ne fonctionnent qu'avec une tenue. Les gardes l'ont découvert seuls. Je n'ai pas demandé de détails. J'espère que ça vous aidera. Je sais que tout le monde sera ravi de vous voir porter notre bagua. Tout le monde aimerait vous rencontrer. Vous êtes ici chez vous. Vous n'avez pas encore rencontré le maire. Il veut vous voir. Putain, mais tout le monde veut me voir. C'est quoi? C'est la fête ou quoi? C'est la fête du village. Ok. Vous devriez aller vous présenter. Il est très accueillant et amical. Ouais, j'ai monté niveau. Ouf, 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 tout ça. Donc, voilà, maintenant je vais aller voir le maire, apparemment. Allons faire ça. Je vais quand même voir un truc. C'est quoi ça? La pochette de combattu du dragon. Agrandit l'inventaire, espace de stockage, je le rends. Ok. Champ possible, si c'est. Agrandit l'inventaire, espace de stockage, la carte d'Europe. Et comment on fait pour l'activer? Ça c'est pour changer ça. Je ne peux pas trop équiper comme ça un matériau autre. C'est le bagua, ok. Je sais pas comment on fait pour faire ça, pocher comme inventaire, espace de stockage ou la garde-robe. La garde-robe c'est... Ah ok. Bon bref, j'aurai plus tard. Pourquoi j'utilisais ça moi? Ok. Pas grave. Ok, allons voir le maire. What the fuck. C'est trop sauté trop là. Je suis Daigu, le maire du village au bambou. Et vous? Et vous? Je vois.
Vous devez être la personne dont tout le monde parle. Formidable! C'est vous qui avez tiré sur l'éperon noir. Ravi de vous rencontrer. Je crois savoir que vous allez rester un petit moment. Vous êtes ici chez vous. Merci. On aurait bien besoin de quelqu'un comme vous pour reconstruire le village après l'attaque. Voyez donc si vous pouvez aider. J'allais oublier. Guakchil vous demande. Il ne peut pas se lever, mais il aimerait que vous alliez le voir au dispensaire. Vous ne savez pas? Il n'a pas arrêté de parler de vous. Allez le voir au plus tôt. Merci pour votre aide. Garde sa admiration. Ok. Très bien. Partez maintenant. Viens. C'est quoi ça, là? Ok. Ok, ok. En fait, il faut des. Ouais, pour améliorer l'arme, il faudra dépenser des choses. Casser des quêtes. Ok, d'accord. What? Bref, voilà des guettes, ok d'accord. C'est à l'extérieur de la nuit, je crois. Ok, d'accord. Donc la première c'est là, après il faut. Ok, c'est vers là-bas. Okay. Bon, allons voir Mister, et je pense que je vais m'arrêter à ce niveau-là. Parce que c'était juste pour mon faire, on va dire, entre guillemets, les débuts des quêtes du jeu, on va dire. Après, je pense pas que je ferai un let's play dessus, parce que je m'en sers plus pour. Pour Black Desert, par contre là je ferais carrément on va dire, un let's play après la bêta. Donc au début soit juste pour voilà pour montrer comment il est beau et tout et comment j'avance dans le jeu. Donc voilà, donc là c'était juste en attendant Blood and Soul. Donc voilà, Blood and Soul c'est juste voilà, on va dire un jeu que je fais comme ça. Donc voilà, parce que Black Desert il me reste plus. Mais il sort que le 18 février en bêta. Donc là, j'attends un peu avec impatience, on va dire. Donc voilà. On va discuter à monsieur, là. Guakchil n'a cessé de vous réclamer. Le pauvre garçon. Merci de passer nous voir. Il est derrière vous. Vous l'avez déposé ici lors de l'attaque de l'éperon noir. Il veut vous remercier en personne de l'avoir sauvé. Ok. Il devra rester au lit pendant des jours. Il ne sera peut-être plus jamais le même. Allez le voir avant qu'il n'essaie de se lever. Maudits soient les prons noirs. Regardez ce qu'ils ont fait. C'est vous? Oh, merci beaucoup. Aidez-moi à me lever, que je vous salue correctement. J'ai essayé, vous savez. J'ai couru, mais j'étais pas assez rapide. Je voulais être un héros. J'ai essayé, mais ils m'ont frappé. Je peux pas croire que tant d'entre nous ne soient pas revenus. Pardon. Je serai vite sur pied, c'est promis. C'est juste une égratignure. Je me battrai bientôt à nouveau. Ok, ça c'est fait. Par là. Il ne remarchera peut-être jamais, pauvre Guakchil. Il a été pris d'hallucinations toute la journée. Ah, merde. C'est dur de le voir comme ça. Il se démène depuis que l'éperon noir a assassiné sa sœur. Nous avons tous perdu des proches. Mais il se sent tellement coupable. Si seulement, je pourrais lui administrer un remède. Malheureusement, l'éperon noir a vidé toutes nos réserves. Ses os se ressoudront mal si je n'ai pas ce remède à temps.
Mais tout le monde est occupé à réparer. Je suis seul. Quelle générosité. Rendez-vous à la plage au bambou. J'ai besoin d'extraits de jeunes conques de sable. Ok. Merci. Apportez-moi ça et je m'occupe du reste. On peut le sauver. Voilà. Je vais vous laisser là. Je ferai peut-être les donjons en compagnie peut-être de Taisho ou d'autres personnes. Donc voilà, qui sont sur le serveur. Donc voilà. Donc je vous dis à plus tard. C'était Gancho. Bye bye.